Roland Dumas, politiquement incorrect. Roland Dumas était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Je vois page 173 qui nous parle d'un drôle de lobby. Alors, Roland Dumas était connu pour ses positions pro-palestiniennes. Il nous parle là d'une violence. Il avait pour projet de faire venir Arafat, le représentant de l'autorité des Palestiniens, de le faire venir officiellement en France. « Mon projet annoncé suscite comme prévu », je cite Roland Dumas à la page 173, « Mon projet annoncé suscite comme prévu une violente campagne de presse orchestrée par la communauté juive et l'ambassadeur d'Israël en France, membre actif du Likoud, qui conduit sur notre sol un activisme forcené. » Voilà. Il revient à la charge sur ce lobby, page 416. Alors c'est un gros livre, hein, vous voyez. Le cabinet américain Kroll relève que j'aurais touché des commissions sur des ventes d'armes. Point d'exclamation. Kroll est un cabinet tenu par le lobby juif américain qui fait de l'information, voire de la désinformation. Incroyable. Comment est-ce possible ? Page 386, il nous parle de Bernard-Henri Lévy. Donc on est en 1993, 9 janvier 1993, c'est le journal de Roland Dumas. Nous sommes en pleine crise d'hystérie à propos de la Bosnie. Il y avait une guerre en Bosnie. Monsieur Bernard-Henri Lévy se prend pour le ministre des Affaires étrangères. Il multiplie les déclarations et fustige notre prétendu immobilisme à propos de la guerre en Bosnie. Je n'ai aucune sympathie pour ce flibustier de la politique et son omniprésence médiatique m'agace au plus haut point. Voilà, en 1993, Bernard-Henri Lévy, déjà, nous incitait à aller faire la guerre aux Serbes pour défendre les gentils musulmans. En 2010, Bernard-Henri Lévy nous incitait à faire la guerre à la Libye pour défendre les gentils démocrates. Bon, on sait ce qu'il en est devenu par la suite. Mais enfin, ces gens-là nous incitent à faire la guerre à la Russie quand il y avait la question ukrainienne en 2014. Ils nous ont incité à faire la guerre en Irak en 1991 pour défendre les gentils koweïtiens. Ils nous ont incités à faire la guerre en Afghanistan en 2001. Ils nous ont incités, ils nous ont poussés à faire la guerre, je sais pas, contre l'Allemagne, par exemple, en 1940, ça me paraît une évidence. Ils nous ont poussés à faire la guerre contre la Syrie de Bachar al-Assad, qui était très très méchant, alors que les autres en face étaient très gentils. Enfin bref, ces gens-là veulent instaurer des démocraties multiculturelles partout dans le monde, donc ils nous poussent à faire la guerre contre tous les pays qui ne sont pas encore des démocraties multiculturelles. Merci Roland Dumas pour avoir répété quelques vérités. Donc c'est un livre qui date de 2015. Ah oui, quand même, petite précision, page 563, il nous dit quelque chose que j'avais déjà exprimé, moi. 2007, je déclare être favorable à la détention de la force nucléaire par l'Iran. Ce n'est pas une provocation de ma part, je suis convaincu que cela rééquilibrerait le rapport des forces en présence au Proche-Orient et interdirait la guerre. J'en suis aussi convaincu. Si l'Iran avait l'arme nucléaire, au moins on aurait la paix. Il y aurait un équilibre au Proche-Orient et on serait tranquille. On n'entendrait plus parler toujours de ces provocations israéliennes qui ont tendance à mettre le feu un peu partout dans la région et puis, par expansion, si je puis dire, sur le reste de la planète, du fait tout simplement que les Israéliens sont très largement soutenus par les démocraties occidentales pour des raisons que tout le monde comprend. Mais d'abord, je ne peux pas ne pas commencer par revenir sur ce que vous avez dit ce matin. Alors là, pour le coup, c'était encore dans le politiquement incorrect, peut-être même de la correctionnelle, on verra. Chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV à propos de Manuel Valls. On écoute. Vous pensez qu'il est socialiste, Manuel Valls ? Ben, il l'est à sa manière, comme une grande partie du socialisme français. Regardez un peu l'histoire des socialistes depuis la guerre d'Algérie. Hein. Mais c'est quand même des socialistes qui ont fait la guerre. Sous influence juive ? Ah, probablement. Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça, sous l'influence de sa femme ? Bien sûr. Mais pourquoi pas ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le dire, puisque c'est une réalité.
Manuel Valls sous influence juive, qu'est-ce que ça veut dire? Et sous l'influence de sa femme, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, écoutez, l'expression était dans la question. Est-ce que Manuel Valls subit l'influence du gouvernement israélien? Ah non, on vous a dit influence juive, justement, c'est pas pareil. Oui, très important. Peu importe. Ah non, mais c'est très important, Roland Dumas, justement. Tout à fait. Vous avez peut-être qu'on ne vous aurait pas fait le même reproche si vous avez dit qu'il est sous l'influence du gouvernement israélien. Oui, oui. Ça restera à démontrer aussi. Oui, peut-être, oui. Bon, ceci étant, ben, moi je pense que nous sommes dans un régime de liberté. Je crois savoir que beaucoup de gens se sont mobilisés ces jours derniers pour dire on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela. Très bien. Ah ben, régime de liberté, je pense quelque chose, je le dis. Monsieur le Président, sur quel genre d'éléments vous vous appuyez pour douter de la version officielle du 11 septembre? Les éléments publics, tout ce qui a été publié en Amérique, notamment en Europe, aussi en Allemagne, un peu partout, et qui relate évidemment cet événement d'exceptionnelle gravité, qui mérite justement, en raison de sa gravité, qu'on en discute. Il y a des arguments qui officialisent la doctrine américaine et puis d'autres qui la contredisent. C'est une controverse. Ce qui me paraissait surprenant, c'est que l'appareil avec un grand A américain, qui dispose de tant de moyens et qui met tant de richesses à sa protection, n'ait pas pu avoir des informations préalables et concomitantes plus précises sur ces événements. Donc ça élève le soupçon. Qu'il n'y ait pas eu de défense aérienne. Bien sûr. Je pense que, par exemple, il y a quelques années, quand un avion soviétique avait survolé l'Extrême-Orient, un avion américain, je crois, et que l'alerte a été donnée tout de suite, l'avion a été abattu dans les secondes qui ont suivi. Donc ce qui est vrai pour l'Extrême-Orient, c'est pas vrai pour la protection du cœur de l'Empire. Ça paraît critiquable. En tout cas, là au moins, il y a quelque chose à creuser. Monsieur Guy Sormand, qui était votre contradicteur au débat de Frédéric Taddeï, vous a qualifié le lendemain sur son blog internet de théoricien du complot. Qu'est-ce que vous lui répondez? Théoricien du complot, c'est une expression qui lui appartient. Je ne sais pas comment il justifie ça. S'il veut dire que j'explicite quelque chose qui ressemblerait à une machination d'un complot, pourquoi pas? Je suis comme tout le monde, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une opprobre à cette explication du fait que simplement quelqu'un réfléchit avec sa tête et son bon sens. Vous souhaiteriez qu'il y ait une enquête internationale, par exemple, pour formaliser cette accusation? Bien sûr, il pourrait y avoir une enquête internationale, pourquoi pas, avec des experts, des aéronautes, des gens spécialisés, un peu bien équilibrés, qui diraient la vérité.